Paris-Marseille, Marseille-Paris, vote en commentaire pour le vainqueur. Aujourd'hui c'est PSG-Marseille, on accueille, en plus c'est parfait parce que c'est dans la réalité, c'est comme ça, PSG-Marseille au Parc des Princes, là on est à Paris, avec les parodies bros, Steven et Olivier qui vont du coup penser à deux joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont soit actuellement joueurs ou soit anciennement joueurs, qui sont quand même un minimum connus, si tu prends le remplaçant des années 2000, enfin je vais pas... Non, c'est de la technique. Voilà. Et nous de côté avec Julien, on associe deux joueurs du Paris Saint-Germain, tout simplement. J'avoue que c'est pas du tout. Voilà, déjà Mbappé et tout, je pense que c'est mort. Parce que direct, ils vont dire Mbappé. Mbappé, vous avez deviné. Après, du coup, ça peut être un truc à l'inverse. Genre, ils vont dire ouais, laisse tomber, c'est trop. C'est pas pris ça, c'est pas des cons. Putain, les cons. Pour que vous puissiez jouer avec nous, nous allons vous dire les deux joueurs que nous avons choisis. Le premier est un ancien joueur, Gabriel Heinze, argentin, qui a joué aussi à l'Olympique de Marseille. Du coup, c'est un peu piégeux, tu vois. C'est fait exprès. Et Juan Bernat pour le deuxième joueur, du coup, un joueur actuel. On a du coup Lévi qui va nous faire le plaisir d'être gardien aujourd'hui. Moi, je suis neutre. Alors attention, parce qu'il a le même Marseille. Il est neutre aujourd'hui. Il laisse pas passer les frappes, hein, on connaît, attention. Non. On va frapper, et quand on marque, on va poser une question, on doit pouvoir répondre par oui ou par non. Ok, c'est parti. Ouais, comment il est là, ouais, comment il est. Super, bon, ça va être génial. Il s'est dit, il a trouvé des blazes introuvables. Les anciens, ça va être des mecs un peu connus, par contre, les mecs actuels, ça peut être un mec, là, pour le coup, ça peut être vraiment des joueurs pas trop connus, par contre. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais de toute façon, à Marseille, il y a des joueurs pas très connus. Oh, les bâtards. On va se calmer parce que sinon la vidéo sera démonétisée. Allez, allez go. Olivier, première frappe. Vas-tu voir une question? Ok, c'est envolé. J'y vais. On va tenter. Let's go. Première question pour nous. Est-ce que c'est un joueur actuel? Non. Ok, on part sur de l'ancien, on part sur du old school. Ouh. Alors là, la seule frappe pas marquée, il faudra du en direct. Hein. Oh le gamin. C'est impossible. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle a gagné un genre la Ligue 1 pour savoir si c'était à l'époque par exemple de Didier Drogba et tout? À l'époque ça avait gagné la Ligue 1 je crois. Il va pas nous aider les cons. Si elle a gagné la Ligue 1. Yes. Oui. Pour les plus jeunes d'entre vous, les personnes qui ont une mémoire très mauvaise comme Julien et moi, voici l'équipe championne de France en 2009-2010 de l'Olympique de Marseille. Le gamin. Ah bien joué. Mais là, mais tout, c'est pas possible. Attends. Il vient de marquer, il fait putain, il la touche. J'ai bien envie de tenter Drogba, c'est un des joueurs emblématiques, c'est la légende de Marseille un peu, hein. C'est une légende. Est-ce que c'est Didier Drogba? Non. Ah, le jeu d'acteur, les bâtards. Drogba, il a jamais gagné la Ligue avec Marseille. Ouais, il a jamais gagné. Non, il est resté un an à Marseille. Et il a pas gagné durant cette année. Non. Oh oui, elle est belle. Oh, si bonne l'héroïne. Ok. Allez. Première question, est-ce que c'est un joueur actuel ou un joueur ancien? Alors attends, du coup on met qui en premier? Moi l'ancien. J'ai choisi. Ouais, l'ancien. Ouais, donc c'est l'ancien. C'est l'ancien. Ok, parfait. C'est parfait. Ça marche. Bien joué, Seb. Parfait. Oh wow. J'ai le tir de la feuille, moi. C'est spécial, ça. Alors Julien, viens. Alors on va poser une question, Steven. Ok. Je te laisse comme t'as marqué. Non. Alors est-ce que c'est un attaquant? Non. C'est un ancien, soit défenseur milieu ou gardien. Prochaine question, peut-être tenter joueur de champ ou non joueur de champ. Oula, il est vraiment neutre ce gardien. Il y a une faute de masse, ça allait nous rapporter des questions. Oh la caméra. La caméra. Pour la cam. Pas à nous Lévi. Pas à nous Lévi. On a vu Lévi, on a vu. Tiens, c'est chaud là, il remonte hein. C'est un remplaçant ou c'était un titulaire tout le temps? C'était un titulaire. Ouais, c'était un titulaire. Ouais, c'était un titulaire. Ok. Je sais plus quelle équipe a gagné le championnat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien et moi, on a une très mauvaise mémoire temporelle. En même temps, c'est une mémoire, donc c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'on est à fond, on aime le foot, bien sûr, on regarde tout ce qui se passe. En 2010, on regardait le football, bien sûr. Le problème, c'est que nous, 5 ans après, on ne sait plus qui a fait quoi exactement. Surtout quand ce n'est pas notre équipe, bien sûr. Et ça, c'est l'Olympique de Marseille, l'équipe rivale. On est totalement perdu. On peut demander si c'est un attaquant? Ouais, est-ce que c'est un attaquant? Non. Il y a qui la Marseille un peu de l'époque, la fort, milieu de terrain, défenseur? Regarde sur internet. On a posé une question qui sert à rien parce que c'est même pas qui a gagné la Ligue. On
Est-ce que c'est un milieu, est-ce que c'est un défenseur? Ouais, est-ce que c'est un milieu? Non. Putain, c'est un défenseur. Un gardien peut-être. Je crois qu'on connaît mieux Paris que les Parisiens eux-mêmes déjà. C'est sûr. Ils connaissent pas trop Marseille. Ouais. Vos rivaux. Oh là, c'est pas il est cheaté. Tu es cheaté. Est-ce que c'est un gardien? Non. Donc c'est un défenseur. Défenseur qui était super chaud à Marseille et qui a gagné. Et qui s'allie en plus. Oh le bâtard. Moi je sais qui c'est moi. C'est un mec qui est sympa. Non. Vous verrez, peut-être que oui. Après quand je vais lui demander si elle joue au PSG, je vais lui dire. Il me fait rire Vince Kay. Est-ce qu'il a dit non? Parce que s'il dit non, ça veut dire que ça veut dire oui. Oui, la finesse. Tout est dans le visage, tu vois. Pas, aucune émotion, rien. Normalement, si vous croisez les données, vous devez avoir 2-3 joueurs qui restent du lot. Il est avec vous ou contre vous, du coup? On va donner l'analyse peut-être ou pas? Il faut concertation d'abord. Moi, si tu me dis le pied du joueur, moi, je repère direct. Hein. C'est un joueur qui a marqué un début pour le titre. Pour le titre de Marseille. C'est horrible, nous sommes totalement bloqués. On marque des buts, mais on ne sait plus vraiment quoi poser comme question. C'est horrible. Bah moi je dirais Frédéric 2. Non. On a donné pas mal de 10. Ouais, de ouf. Allez, ouais. Je pense que dans les commentaires, je pense que vous avez une petite idée. Oui, ouais, c'est sûr. Je pense qu'ils ont trouvé. Pour accélérer le jeu, parce que on a un peu du mal, hein, on passe à 2 questions par but. Oh, il est rentré. Non, il rentre pas, je pense. Non. Enfin, ce regard de détresse. Non. Et les caméramans, non. Oh. Vas-y, si y a un petit qui pense qu'il rentre, on va l'écouter. C'est un attaquant, ils ont dit non. Est-ce que c'est un milieu de terrain? Non. Non, c'est pas forcément un défenseur. T'as posé pour gardien ou un gardien? Est-ce que c'est un gardien? Non. Donc c'est un défenseur comme ça. Imagine, ils ont le même. Pause. Si tu avais entendu ça avec Julien, ça nous aurait donné un gros indice. Il a dit. Imagine, ils ont le même. S'il envisage qu'on a le même que lui, c'est qu'il a pris un joueur qui a joué aussi au PSG. Putain, on l'a pas entendu. Ah, c'est tendu là, c'est tendu. Est-ce que c'est un Français? Non. Notre culture Marseille, elle est pas top. On n'a pas bien étudié l'adversaire. Peut-être. Est-ce que c'est l'Orixana? Peut-être. Attends, ah, c'est... ils ont des questions. Putain, Méline, il a posé la question, il a dit. Ouais, j'ai dit ça. Putain, je suis désolé, Vince. Méline, c'est trop un appel. Il a eu un petit tic nerveux, j'ai dit, ouais, c'est bon. Sa chaîne YouTube, c'est de la comédie. Il sait faire ça. Il sait faire. Je l'ai mis à gauche. Oh non. Monsieur, là-bas. Monsieur, venez. Non, c'est quoi ça? Depuis quand on utilise Internet, Google, tout ça là? Je lui demandais juste s'il était quelle heure. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi tout ça te trompe pour taper l'heure, c'est ça, hein? Oh, c'est l'arrêt. Ah, c'est l'arrêt de la vidéo. Nous pouvons terminer dessus. Tu marques et on dit que c'est Gabriel Enze, d'accord? Allez, c'est parti. Non. Ok. C'est compliqué. Vamos. Mais j'ai pas d'idée. Est-ce que c'est un défenseur central? C'est des batailles, faut exprès. Non, il a fait quelques fois, mais c'est pas son poste, ouais, de sélection. C'est pas son poste de métier. En gros, toute sa carrière, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il a mais fait. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est comme l'Orixana qui a été truc, peut-être que c'est un autre. Comme il rentre dans ma tête. On voit plus qui, j'avoue. Ah, de leur tête. Non, pas du tout. Est-ce que je tente Zenden? Je crois qu'il a marqué un top but. Il en a mis, lui. Ah, il en a mis, en plus. C'est Zenden. C'est des bâtards. Non, c'est pas Zenden. Non. Yeah. Mon dieu, c'est frustrant. Allez. C'est frustrant parce qu'on connaît la réponse. Mais on ne finit pas la vidéo, Steven. Ah, c'est chiant. Oh, gamin. Voilà, c'est comme ça qu'on perd toutes nos vidéos à chaque fois. Tous les défenseurs du 21e siècle. Ouais, non, mais je vais me concentrer et là, on la met, ok? En fait, là, c'est à toi de tirer, de toute façon. Ouais. Vous avez posé les deux, là, les gars? C'est à toi de tirer. Est-ce qu'il a gagné avec des champions? Est-ce qu'il a gagné avec des champions? Non. Ah non, c'est un Français, lui aussi. Putain, à chaque fois, je trouve des joueurs, c'est des Français, ça me vénère. C'est pas le même que vous, Inn? Non. Attends, c'est quel poste déjà? Défenseur. C'est alors que c'est défenseur. C'est Inze. Ça a fait la vidéo.
Oui. Likez, commentez, partagez. Je te crois pas. C'est non. C'est incroyable. Mais alors par contre, c'est pas réclamation parce que le caméraman il a donné le nom. C'est assez incroyable et on insiste vraiment là-dessus, ce n'était pas truqué. On a vraiment choisi le même joueur. Surtout que c'est pas non plus le plus grand joueur de l'histoire des deux clubs, hein, mais c'est fou, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est vrai qu'avec Julien, on ne s'imaginait pas une seconde qu'il avait choisi le même joueur que nous. On a même pas réfléchi à cette opportunité. Eh hey, vous avez pas gagné, c'est lui qui a gagné. Moi, bien moi, joué caméraman. Pour moi ça vaut match nul. Parce que on est con. C'est que nous ça fait 20 minutes qu'on est là. Putain ils ont donné le même. T'as vu je te l'avais dit. J'ai eu 3 indices. Je savais que c'était lui. Imagine la probabilité que ce soit le même mec. Je savais, j'ai dit à Steven, j'ai été bien. À 4ème phrase j'ai dit c'est le même que nous. Ouais. Il m'a dit non non. Mais dès le début on s'est concerté, on s'est dit ils ont pris le même. Ouais c'est une série Netflix là. Et nous on était là. Ouais j'avoue. C'était fait exprès, c'était un prank. Et pour terminer on essaie de deviner le second joueur auquel on avait pensé, mais sans frappe cette fois-ci, de question à question. Est-ce qu'il a marqué au cours du Final 8 à Lisbonne? Est-ce qu'au cours des matchs qu'il y a eu, les trois matchs ils ont fait donc Oui il a marqué. Il a marqué. Si, il avait marqué. Okay. Ah oui bien sûr, il a marqué. Donc, c'est ni Neymar ni Mbappé. Les bâtards. Oh, les bâtards. C'est Bernat. Oui. Yeah. On a pris un gros risque, on a pris la recrue d'hier. Il est arrivé hier. Nagatomo, le défenseur qui joue à Nagatomo, japonais. Voilà. Eh hey, gros, les recrues de Marseille, je savais même pas qu'il avait signé Nagatomo. En dessous de 5 millions, moi je regarde. Oh il était libre. Gratuit. Il était libre. Ah, on va dire match nul si on prend en compte ce petit. Oui, oui. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est comique. Enze, c'est vraiment comique. Ouais, comique. C'est juste incroyable. Merci d'avoir été là, les gars. Merci Vincent. Bah, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la description, il y a tous les liens pour suivre tout le monde. Vous allez voir, il y a Julien Lévy, Parodibro. A très vite, Steven Sky, Peace and Game. Ça, c'est bien le foot, c'est mieux. Salut. Allez, Paris.